Voilà, après toi, je prends le bout de chou et tu te prépares très très vite. Ok. Attends, non, maman. Quand on me dit, parle quelque chose de ne rien dire, je peux rien dire. Avant, je suis tellement honnête. Non, il y a une surprise, ça, une très très bonne surprise. Une surprise de tes rêves. Tu t'habilles belle, parce que la surprise, il faut que tu sois belle. Tu m'habilles maintenant. Oui. La dernière fois que tu m'avais demandé de m'habiller belle, comme ça, je me suis retrouvée au fond de la piscine. Tu prends soin de nous, tu nous offres tout ce qu'il faut. Hein? Tu ne vois pas ce que tu fais, chérie. Sans toi, nos vies seront quoi, Suzanne? Ferme les yeux. Ouais, ferme les yeux alors. Tu peux faire là, mais c'est pas que je... Suzanne, ferme tes yeux. Lève fort, fort. C'est bon. Voilà. Attends, gauche, droite. Suis-moi, sourd. Tu es prête? 3, 2, 1. The sun is really shining down on me. I see no walking on the other side. Got that more baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to go to road. But it has been a really busy time. Yo la team Cézanne, yo la team Christian, ça c'est une nouvelle journée. J'espère que vous allez bien. Nous avions introduit la vidéo surprise de la baignoire de Cézanne. Ça c'est le jour où on va faire découvrir la surprise de Cézanne. J'ai toujours les clés avec moi les gars. J'ai les clés de cette douche avec moi, de peur que Suzanne puisse te permettre d'entrer là-bas et la surprise tombe dans l'eau. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai décidé de faire particulièrement? Elle est encore en haut, elle est en train de faire la sieste matinée. Hier, elle a beaucoup travaillé. Nous allons aller ensemble la retrouver dans la chambre. Je vais lui dire, Suzanne, aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. On va aller d'abord au marché, on va faire un achat, on va faire des achats pour préparer, essayer de comporter une bonne nourriture. Ça peut être le congré. Ça peut être, je ne sais pas, on va voir cela avec Suzanne. Et là maintenant, je vais profiter qu'elle s'arrête en train de faire son marché. Je vais aller dans un supermarché de la place. Je vais payer certains ingrédients que je vais venir associer dans cette toilette. Ça pourrait être des bijoux, ça pourrait être des bougies, des fleurs. Pour ensemble rayonner cette salle de douche. Pour qu'après maintenant, on présente ensemble la surprise à Suzanne. Si vous avez encore d'autres idées que vous souhaitez nous proposer, me dire les gars, allez-y en commentaire, vous me dites Christian, tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Ça va faire que la prochaine fois, je vais toujours mieux m'améliorer quand je vais faire découvrir une surprise à Suzanne. Donc suivez-moi les gars, on y va dans la chambre. Soussou, qu'est-ce que tu fais là? Ah bon? Tu n'avais pas tu dois aller le lait. Oui. Oh là là. Bon chérie ma princesse, ça c'est une journée spéciale pour nous. Mm-hmm. J'essaie de faire te poser la question. Qu'est-ce que le truc se va encore me faire? S'il te plaît. Tu as dit journée spéciale là. Oui, s'il te plaît, je ne veux pas que tu me poses des questions. Je t'ai déjà fait une surprise désagréable. Si tu avais la caméra qui est derrière là, ça va plus me poser la question. Non, mais est-ce que ma surprise a été déjà une fois désagréable? Non. Seulement le jour où je t'ai poussé dans la piscine, non? Dans l'eau. Bah bon, ça le joue là alors. Mm-hmm. La famille, je vous mets un extrait de cette vidéo là où il m'avait poussé dans l'eau, ok? T'as su, t'as su, je viens avec, ok? D'accord? Il n'a pas peur lui, hein, regarde. Il n'a pas peur, il n'a pas peur, hein. Ok ma princesse, s'il te plaît, prépare-toi, je veux que tu t'apprêtes, mets un habit relaxant. Voilà, on va aller faire le marché. On va se préparer quelque chose, je ne sais pas, j'avais une idée, quoi que ce soit le contraire. Tu as autre chose? La surprise, c'est pour ça. Non, tu vas pendant le repas, on va préparer déjà une nourriture spéciale. Ça, c'est une journée spéciale. Il faut qu'on mange une nourriture spéciale. Et après, je te donne ta surprise. Non, chérie, je n'aime pas trop ce genre de surprise que je vais passer tout le temps avec eux. Non, tu aurais dû me dévoiler la surprise une fois. Je te rassure, c'est une très belle surprise. C'était pour te préparer. Après toi, je t'attends en bas, s'il te plaît. Bon, la famille, vous faites partie de quelle catégorie de personnes? Vous vous aimez quand vous dévoile une fois la surprise? Que de vous? On vous dit qu'il y a une surprise. Mais après, quand on va faire un repas spécial pour la surprise, sans toutefois dévoiler la surprise, aïe, mon cœur va être serré toute la journée. Non. Fais-toi, alors, aussitôt fait, tu vas découvrir ta surprise. Je te donne 10 minutes. Nous, on t'attend en bas. Je m'apprête pourquoi on va faire la surprise. Oui, non, on va aller à Bafoussam, on va faire quelques achats là pour la nourriture qu'on va préparer. Après cette nourriture qu'on va manger, je te fais découvrir ta surprise. Attends, c'est pas mon anniversaire du jeu. Je sais. C'est pas qu'un anniversaire surprise. Tu sais que tu es une femme très spéciale, non? Ouais, mon cœur. Tu sais que tu es très spéciale. Mon cœur est serré.
toi alors. Aïe, c'est bon. Tu te dis que ça peut être quel genre de surprise? Le type, c'est bien, même pas. Non, mais c'est pas bien. Mais il n'y a pas la piscine ici. C'est la piscine pour que je te mette d'amour. Ah, en tout cas, la vidéo de la piscine là, tu kiffes, c'était pas bien. Hein. Il m'avait dit qu'on devait faire. En fait, vous avez vu un extrait de la vidéo. Ok, donc voilà. Aïe, Seigneur. Voilà, après toi, je prends le bout de chou et tu te prépares très très vite. Ok. Mmh. Voilà. Le bout de chou. Seigneur, la journée d'aujourd'hui là, moi, mais c'est pas encore mon mari aujourd'hui. En tout cas, nous sommes en train de prendre déjà la route comme vous avez remarqué. Je vais mettre ma tenue, je vais mettre mon pied. Donc voilà, comme vous avez remarqué tout à l'heure, comment j'étais en train de faire le TikTok avec le bout de chou. Je vous prie d'aller nous suivre également sur notre chaîne TikTok qui est Suzanne et Christian. Christian avec deux N à la fin. Je vous laisse ça écrit à l'écran, ok, la famille. Donc on va essayer de prendre la route. Maintenant le bout de chou, la façon qu'il colle sur moi ces derniers temps, aïe. On a l'habitude de dire qu'un bébé colle comme ça, le dernier bébé colle beaucoup sur sa mère parce qu'il ne veut pas qu'on conçoive son petit frère ou sa petite soeur. De peur que quand on va concevoir l'autre, il n'aura plus assez d'attention comme par le passé. C'est ce qu'on dit en fait, qu'est-ce que vous en pensez? La façon qu'il colle sur moi là, Dieu seul sait. Oh mon beau père chéri. Dans la famille en fait, si vous aimez bien les vidéos vlog, ce genre de vidéo, c'est vrai que je ne connais pas. Je ne sais pas trop si ça va être une belle vidéo ou pas. En tout cas, je l'espère. Si vous aimez bien les vidéos surprises comme ceci, likez la vidéo au maximum. Surtout partagez pour que la communauté Suzanne et Christian continue toujours de s'agrandir. Ok, la famille. Et on prend la route. On met les enfants. Hey! Donc, bref, c'est moi qui parle. Bon, mon mami parle. Dis bye bye à mamie. Dis bye bye à mamie. Ah, il dit. Sérieux, il dit bye bye. Pour de vrai, dis bye bye à mamie. La famille, on va prendre la route, ok? Je n'ai pas le choix en fait. Je peux pas aller avec l'enfant. Dis bye bye à maman. Bye bye, bébé. Bye bye. Bye bye. Tu connais plus du baba, hein? Il connaît plus du baba. Là, il s'agit de dire à maman, il connaît plus du baba. Bye bye, bébé, bye bye. Bye bye. C'est quand le yaou, non? Maman, on arrive, hein? La famille, j'ai envie de poser une question à mon mari. Ça pourrait m'aider à imaginer de quel type de surprise il s'agit. Nous sommes en train toujours de rouler, comme vous avez vu, nous sommes près de la maison. Et là maintenant, on est proche du marché. Donc, nous sommes en train d'aller à une boucherie où là-bas, il y a plusieurs bouchers. En fait. On a multitude de possibilités de choix. Et je voudrais demander à mon mari le nombre de kilos de viande qu'on va acheter pour que je puisse imaginer. Ça peut me donner un peu quelques indices. S'il s'agit plutôt d'une réception, peut-être c'est une surprise. Peut-être c'est un chéri. C'est même pas l'anniversaire de maman qui a commencé. Chéri. C'est ça, on doit préparer une nourriture pour manger ce jour. Je sais que si je te donne encore plus d'indices, tu es très intelligent, ça tu dois connaître. Tu dois vite me repérer. C'est combien de kilos de viande qu'on va acheter quand même? Je peux savoir. 2 kilos. 2 kilos. Consommation pour la maison.
La famille, je vous montre la route. Si vous les avez les images de la route, ok. On se reprend juste derrière. Tu peux pas m'avoir. Hein? Je crois que tu vas m'avoir. Pas si facile de m'avoir. Hein? Pour la famille, j'ai vu là, on était en train d'arriver au marché quand j'ai vu un camion de... qui est en train de vendre le. Donne-moi le téléphone, non. Qui est en train de vendre le plantain en gros en fait. Donc on va essayer de, d'acheter aussi. Hein. Donc les Baham Salam sont en train d'acheter. Les Baham Salam, c'est ceux qui achètent pour revendre. Donc, en achetant là-bas, ça va être beaucoup avantageux que d'acheter au marché. Surtout que quand la femme fait le marché, elle doit toujours être économique. On y va. Pour la famille, nous sommes déjà au marché en question. C'est pas facile de trouver un endroit où garer la voiture, c'est pas vraiment facile. Donc je suis allée pour acheter le plantain au grossiste, mais je n'ai pas pu acheter parce qu'en fait, quand ils livrent au Baham Salam, aïe Seigneur, vous savez que quand ils livrent au Baham Salam et quand ils voient un client qui n'est pas le Baham Salam, ils cherchent que tu achètes au Baham Salam. Quand je n'ai pas voulu tirailler, je veux seulement tourner doucement et suis rentrée. Donc voilà, je vais aller essayer de faire le marché. Comme mon mari ne peut pas garer ici parce qu'il est très mal garé, donc il va essayer de voir où est-ce qu'il pourra garer. Le temps que je finisse de faire le marché, je le fais signe avant qu'on s'en aille. Donc je range bien mes choses. Je laisse ce qui est très important dans la voiture. On prend la route. Chérie, tout à l'heure, non? Ok, ça marche. La caméra vient avec moi, non? Comment? La caméra vient avec moi, non? Non, mais tu sais que je vais te faire une surprise, non? Je vais aller quelque part avec lui et je reviens. Le temps que tu fais tes achats, tu payes les trucs pour la nourriture, s'il te plaît. Mais quelque part là, ça conseille toujours la surprise. Bien sûr. Tu veux pas ta surprise, c'est quoi? Laisse-moi faire. Tu peux faire quelqu'un à laver, c'est non, comme ça. Non, non, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Je vais aller quelque part avec lui et on se reprend tout à l'heure. Je passe te prendre même dans 30 minutes. Ok. Et oui les gars, vous savez que Suzanne c'est une femme hyper hyper intelligente. Si j'essaie juste un peu de quelques astuces, quelques détails ou bien quelques pistes, elle va savoir de quoi il s'agit. Donc je préfère rester comme ça. Allons-y les gars, on va aller là dans ce supermarché, on va essayer de voir ce que je vais prendre. Je ne m'y connais pas trop dans la décoration, mais je vais essayer de créer quelque chose de spécial. Peut-être dans la prochaine vidéo, vous pouvez venir en bas des commentaires me dire, Suzanne, monsieur Christian, tu aurais dû faire comme ça, tu aurais dû faire, m'apporter d'autres nouveaux éléments. Et ça va tout m'aider à faire de nouvelles surprises, à m'attendre pour les prochaines fois. Donc allons-y les gars. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. Et oui, la famille, comme vous venez de le constater, je viens de laisser Suzanne au marché. Elle est en train de faire le marché pour la nourriture qu'elle va préparer tout à l'heure. J'ai profité, je lui ai dit que je devais faire quelques petites courses. Là maintenant, je vais entrer dans un supermarché. Je vais essayer de voir s'il peut trouver quelques pétales de rose où je pourrais embellir cette baignoire avec. Bon, je ne m'y connais pas trop. Si c'est très compliqué, je suis obligé de laisser. Essayez déjà, la baignoire est facile, les gars. Donc, on va ensemble entrer là à l'intérieur. Voir si on peut encore décorer, mettre quelques roses, des bougies rouges. Pour les amoureux, je sais que vous connaissez ce que je suis en train de parler. Bon, on va aller essayer ensemble, essayer de voir ce qu'on peut payer. Donc, suivez-moi, les gars. Oui, les gars, voilà ce que j'ai pu trouver. Une idée m'est venue à l'esprit. Quand nous serons à la maison, quand je vais vouloir présenter la surprise à Suzanne, je vais commencer d'abord par lui déclarer ma flamme d'amour avec un fleur comme ça. Elle va croire que c'est ça sa surprise. Mais elle ne sait pas qu'il y a quelque chose de plus grand qui est en train de l'attendre derrière. Excusez-moi, mon cher, je suis en train de vouloir faire quelque chose, renouveler mon amour à ma tendre épouse. Vous savez, l'amour, ça se renouvelle. Je ne sais pas si vous faites aussi pareil avec votre épouse. C'est très, très normal.
Très tellement. Voilà. C'est pour ça que vous allez vous en rendre compte que les jeunes oublient qu'après 15 ans de mariage, ce n'est plus ça. On vit seulement pour les enfants. Mais moi, je pense que c'est fou. On peut aimer sa femme jusqu'à la fin de sa vie. L'amour, c'est du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc, je suis avec le monsieur du supermarché. Il me conseille celui-ci, les gars. Il me dit que là, vous dites qu'on va mettre là, on va allumer juste oui, simplement. Celui-ci, c'est un bougie. Oui. Pour mieux encore déclarer l'amour. Oui. Là, c'est un papier pour protéger tout la baignoire. Tout à fait, tout à fait. Et là, ça va s'allumer. Je vais mettre tout ça au bord de, oui, de la baignoire. Dès qu'on sort, oui, tu peux regarder ceci. Essaye un peu de faire un exemple. Oui. Et puis tu allumes. Oui. On dépose. Là, un peu comme ça, je vais déposer ça au bord de la baignoire pour réallumer vraiment cette flamme d'amour. Vous savez, Suzanne, c'est quelqu'une de très, très spécial pour moi. J'ai envie de lui faire des choses très, très spéciales aussi. Donc là, ici, je vais prendre ces trois pièces. D'accord. Oui, je vais prendre trois pièces. Là, ici, je vais prendre 10 pièces. Oui. D'accord. Je vais essayer de jeter ça un peu dans l'eau. Créer quelque chose de sens. Je ne m'y connais pas trop, mais je suis en train de m'adapter, les gars. Ce n'est pas facile. Peut-être la prochaine fois, vous allez me donner les idées où je pourrais encore mieux faire quelque chose encore de plus grandiose. Mais ce qui est sûr, ce que Christian est en train de faire, c'est la méthode de Christian. D'accord. Donc, donnez-moi celui-ci 10 pièces. 10 pièces. Ça, je vais prendre ça 3. Oui. Avec cette fleur. Oui les gars, je vous ai dit tout à l'heure que je suis novice, je ne m'y connais pas trop. Je viens encore d'avoir une nouvelle idée. Moi je pense que je vais trouver ça, c'est les pompées gonflables. Là je vais trouver le nom de Suzanne qui compte, ça commence par S et mon nom qui commence par C, Suzanne et Christian. Je vais gonfler ces pompées là, je vais aussi coller dans la même douche pour que quand elle entre, elle va voir S en C. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Moi je pense que c'est tout, que j'ai envie de faire quelque chose de spécial, je ne m'y connais pas. Et si vous avez des idées de commentaires, si vous avez d'autres idées que vous souhaitez me proposer, allez-y en bas, vous mettez ça en bas de commentaires. Ça fait que la prochaine fois je pourrais mieux faire quelque chose encore de plus bien les gars. Parce que vous savez, vous avez dit je suis qu'un novice et j'ai juste envie de redéclarer ma flamme d'amour, ma tendre épouse. Donc j'essaie de faire quelque chose qui pourrait être sensationnel, qui pourra l'appeler également. Donc le monsieur est en train de chercher la lettre S et la lettre C qui veut dire Christian, la lettre S qui veut dire Suzanne. Là, on va essayer de coller ça quelque part là. Voilà, déjà la lettre C. Oui, il a trouvé la lettre C déjà. Là, il faudra qu'on trouve la lettre S. S. Oui. Et oui, les gars, je continue mon aventure. Restez avec moi. L'aventure Suzanne et Christian. Vous savez. Quand vous vivez, c'est une seule vie. Quand vous partez, c'est une seule fois également. Quand vous avez l'occasion de profiter au maximum avec l'être aimé, avec l'être cher que Dieu vous a donné dans votre vie, faites le maximum, les gars. Parce que c'est elle qui va tout continuer à vous rendre heureux sur cette terre. Et si vous avez l'occasion de lui faire des choses pour lui manifester cet amour, n'hésitez pas, les gars. L'amour se renouvelle. Je fais partie des catégories des personnes qui pensent que l'amour se renouvelle. On peut aimer sa femme même juste après 100 ans, après 150 ans. Restez connectés, les gars. Savannah, the beauty of the world, Savannah. Let's all take a ride, Savannah. Les gars, comme vous venez de le constater là, je viens de payer les petits trucs de décoratifs que je veux accompagner avec ça pour la surprise que je fais à ma tendre épouse. Donc là maintenant, je vais aller la prendre au supermarché. Je pense qu'elle aurait déjà fini de faire les achats pour la nourriture de la maison. Donc on va aller ensemble à la maison. Je vais passer à l'action. Tout simplement. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be in. Tu as fini de faire tes achats? Oui, il y a la canne à sucre là. Ah, j'ai un fer pour la canne à sucre. La famille, j'ai fini de faire mes achats. Mon mari vient de me. C'est vrai quand même que j'ai fini de faire les achats. Et
là maintenant, on n'a plus rien à acheter. Chérine, ouais. Je croyais que le kilo du porc ici c'était 2000. Quand tu m'as déposé, tu es partie là. Mm-hmm. Quand on m'a dit 2500, la différence avec ailleurs c'est quoi? Mais donc ils voulaient peut-être certainement quand tu m'as déposé, ils ont vu comment tu m'as déposé du coup. Mm-hmm. J'ai négocié et je m'en suis rendu compte qu'effectivement le kilo du porc là-bas était 2000 au lieu de 2500. Donc à cet effet, donc j'ai fait un bon marché. J'ai fait un bon marché. Donc nous sommes en train de rentrer à la maison maintenant. Et on dit déjà qu'il y a une surprise et il y a un repas. Et un repas, j'ose croire qu'il faut d'abord faire le repas. Après la surprise, donc il faut que j'enlève mon cœur maintenant sur l'affaire là. Oui, je me concentre sur ce que j'ai à faire. Il dit que c'est mieux. C'est mieux d'enlever ton cœur. Il dit que c'est mieux. Dans la famille, donc je vais donc profiter aujourd'hui pour vous montrer une recette de condré. Aïe, la façon que je fais mon condré, c'est trop bon en fait. C'est pas... Même celui qui n'aime pas le condré aime. Donc il commence à aimer à partir du moment où il mange mon condré. Donc restez bien scotché pour découvrir ma recette, surtout d'une façon très bio, 100 cubes, 0 cube bouillon de cuisine là qu'on met pour le seul goût. Jamais je mélange très bien nos épices là qui sont déjà nos remèdes que nos ancêtres ont utilisé depuis des siècles. J'utilise ça pour pouvoir rehausser le goût, faire un condré qui est très bon et en plus qui est sain. Et oui les gars, nous venons à peine comme ça d'arriver à la maison. Là, ce qui va se passer déjà, Suzanne va entrer dans la cuisine, elle va commencer à préparer. Et moi, je vais aller dans cette douche déjà, je vais m'enfermer hermétiquement. Là, je vais faire tout ce qui est essentiel déjà pour la décoration. Et ensuite, j'ai une idée également, mais je vais vous faire pas de vidéo tout à l'heure. Vous avez, pour plusieurs d'entre vous qui ont eu à voir une de nos vidéos, où j'ai surpris Suzanne en la jetant dans la piscine. Moi, je pense que l'idée qui est en train de me venir, l'idée c'est... Quand Suzanne va venir de préparer, je vais bander ses yeux. Je vais dire que je vais l'amener quelque part. Là, elle va entrer dans la voiture. Je vais aller tourner. Et ensuite, je vais revenir à la maison. L'approcher jusqu'à on va entrer proche de notre entrée dans la douche. Sans qu'elle toutefois elle s'en rende compte. Là, maintenant, elle aura les yeux bandés. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste dire que chérie, si je me fais confiance, arrête mon cou. Je vais te la porter dans mes bras. Et je vais lui poser dans la baignoire. Peu importe l'habit qu'elle va mettre. Elle aura sa baignoire. Pourquoi elle ne va pas profiter les gars? Donc ça c'est l'idée qui me vient dans la tête. Vous savez, au fur et à mesure que je suis en train d'avancer avec ma surprise, d'autres idées me viennent en tête. Donc ensemble, restez connectés pour la suite les gars. On se prend tout de suite. La famille, je suis déjà en train de faire la cuisine. Vous savez que, avec ma méthode de condré, il faut d'abord commencer par le plantain. Dès qu'on finit avec le plantain, on pose directement le plantain au feu avant de faire quoi que ce soit. Donc, quand on pose le plantain au feu, en tout cas, vous allez voir tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de trop bavarder. Je vais vous préciser quoi, ok? Donc, restez bien foutus. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight.
mind, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Avec du contré, avec des costauds doigts de planter comme ça, moi, ah, je n'aime pas, hein, je n'aime pas. En tout cas, les enfants, ils ne me laissent pas faire la vidéo. Mathis, le derrière de la mamie va te salir. Rentrez à l'intérieur, voir pourquoi yo, d'accord? Allez voir pourquoi yo à la télé, maman travaille. Donc voilà. Papa. Il y a un autre plantain là qui avait déjà commencé à mûrir. As-tu allé à l'intérieur? Allez à l'intérieur. Je vais laisser les enfants. Passe devant la caméra, mon chéri. Passe devant la caméra. Voilà. Passe aussi, Mathis. Passe. Voilà, bravo. Donc, le plantain a déjà commencé à mûrir. Ce plantain, ce que j'ai recorté à l'intérieur de la clôture. Ça a commencé à mûrir, mais je vais trier. Je vais trier ce qui n'est pas mûr. On va augmenter sur celui-ci. Parce que hein, le plantain, ça vaut de l'or, je vous assure. Le plantain, ça vaut de l'or. C'est aussi la bonne variété de plantain avec les petits doigts. Et le plantain avec cette coloration, comme vous avez remarqué. C'est ça, le plantain meilleur. Parce que quand c'est déjà ainsi, ah, votre chondre sera magique. Magnifique. La porte est hermétiquement fermée. Suzanne est concentrée dans sa cuisine. Moi, maintenant, je fais ce qu'il faut que je fasse pour que la surprise soit agréable. Là maintenant, comme vous avez constaté, hier j'ai dû mettre l'eau dans la baignoire pour tester avec le plombier. Et j'ai dû reverser cette eau après. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre une eau qui est nouvelle pour que la surprise soit vraiment, vraiment agréable. Ah. Vous êtes un vrai. Yes.
s'adresser au monsieur Christian. Voilà la viande que j'ai donc achetée. Ça fait à peu près 3,5 kg de viande que j'ai achetée. Et mon mari m'avait d'abord dit qu'on veut acheter 2 kg. Tout ça, c'était pour m'embrouiller. Après, au moment où il me dépose, il dit, Suzanne, prends 3 kg. Je lui dis, mais tu as dit 2 kg tout à l'heure. Il dit, fais ce que je te dis. Et maintenant, je suis en train de me parler 3 kg de viande sans pas même savoir ce qu'on va faire avec. Parce que si ça aurait été 2 kg, je pouvais imaginer que oui, c'est pour le repas. Oui, bon, je sais pas trop. Hein. Souvent, on peut acheter, souvent, on paye souvent les 5 kg, les 3 kg et demi comme ça pour faire aussi juste la viande et manger, braiser et manger. Mais comme c'est dans le congrès qu'on va mettre ça, en tout cas, j'espère seulement que ça sera une bonne surprise parce que là où je suis là, vraiment, je n'aime pas, je déteste ce genre de situation. Je vous assure, la famille, le genre de situation où vous savez qu'il y a une surprise, on vous fait. Je ne sais pas s'il me fait seulement croire. Vous pouvez pas comme ça, c'est un prêt qu'il est en train de me faire. Le genre où il me fait croire qu'il y a la surprise alors qu'en réalité il n'y a rien du tout. Et qu'après ils me disent que. Et qu'après ils disent que c'était une surprise. Bon, et qu'après ils disent qu'il n'y avait rien, que c'était un prank. C'est mieux que je commence à penser ainsi. Parce que depuis là, je fais qu'imaginer que mais c'est quelle surprise que mon mari me réserve. C'est quelle surprise. Je ne sais pas comment on appelle ce que je fais sans fond. Comment on appelle ça en français. Dites-moi dans les commentaires. Dans ma langue vernaculaire, on appelle ça neyenyeba. Vous achetez la viande, vous venez. Vous remettez au feu comme ça pour que. Comment on dit ça? Je ne sais pas comment dire ce que ça en français. Donc, quand on met au feu comme ça, c'est pour que la peau s'y crame et après ça va donner un très bon goût dans la mamie. Et par la même occasion, s'il y a un peu d'huile au niveau de la peau, ça va évacuer tout cela par la chaleur, la flamme directe. Mais je ne sais pas comment on appelle ça en français en tout cas. Parce que s'il y avait les poils, la saleté, je devais dire nettoyer la viande. Mais comme il n'y a pas de poils ni de saleté, je ne sais pas comment dire ça en français en tout cas. Elle n'a pas bon amour les gars, vous me regardez. Ce n'est pas bon amour, il ne faut pas juste le bon pour trouver le cœur de l'enfant. Juste un peu, vous allez trouver ce cœur. Regardez comment vous me regardez, Suzanne et Christian. On va juste attendre juste un moment que l'on soit à son niveau maximum et on va arrêter l'eau. Et on va maintenant préparer une très tendre pause pour sa surprise. Et bien les gars, je ne sais pas si la surprise sera agréable ou désagréable parce que j'ai dû avoir une nouvelle idée. Tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai fait en j'ai poussé Suzanne dans le bac, dans la bassine, dans la piscine et tout. Là maintenant, je vais vous demander de mettre une tête belle et une bassine pour que la surprise soit vraiment simple, pour que ce qu'on mette en vivant, dans une très belle vidéo. Là maintenant, je vais faire des tours dans la maison avec elle, à regarder les yeux bambous. Je vais juste vous porter dans mes bras. Je vais l'amener ici, tricher, ce qui est très dangereux, très subtil. C'est parti d'amour, les gars. Je pense que la soupe pourrait être agréable ou désagréable. Parce qu'en même temps, elle aura son genre aussi. Je ne sais pas où c'est la mémoire. Et aussi, elle aussi nager dans l'eau. Je ne sais pas si la soupe est agréable ou elle est désagréable. En tout cas, allez en bas des commentaires, me dire. Si ça aurait été vous, est-ce que vous pensez que cette surprise serait agréable ou si elle sera désagréable? Ma tête ne fait que tourner. Maman, tu penses que tonton Christian réserve quoi comme surprise? Si on te dit ça sera pour la surprise. Oh mais maman, tu... donc savez qu'il a vraiment une surprise pour moi. Hein? Oui, je peux imaginer. Je connais la surprise là. Attends, donc maman. Yeah! Donc depuis là, mon cœur. Tu sais que tu peux quand même me dire, maman. Je vais pas lui dire. Non. Ça ne sera pas une surprise. Non. Ça ne serait plus bien. Quand on me dit parle quelque chose de ne rien dire, je peux rien. Moi, je suis tellement honnête. Hein. Tu sais pas. Tu sais, c'est aujourd'hui que tu me connais. Mais mon cœur a picoté dedans, non. Je vais me dire que c'est une surprise. Non, c'est une bonne surprise, ne t'inquiète pas. Donc, au départ, j'avais peur. Non, c'est que peut-être il n'y a pas de surprise. Et qui fait ça juste pour me faire un prank? Non, il y a une surprise. Ça, une très, très bonne surprise. Une surprise de tes rêves. Ah, toi-même, tu peux imaginer. Comment est-ce que je peux imaginer? Je n'arrive même
imaginer. Ça va alors. Quelques heures, je vais te dire. Ouais, maintenant j'ai hâte la musique s'est cuisée vite. Voilà ça qui. Vous voyez donc, je fais carrément comme ceci sur la peau. Ensuite, maintenant on va racler avec le couteau, racler très bien. Vous voyez pas la même occasion, il y a l'huile là qui coule. On va racler très bien, on va racler et on va laver. Et j'avais encore un détail à vous donner, c'était quoi, le fait que je l'ai pas oublié. Hein. Si ça me revient, je vais vous le dire. La famille, j'ai rejoint maman parce que notre manière de nous, la façon que maman m'a appris à faire le congrès. Maman, on fait comment? Pourquoi je te rejoins? Laisse maman va expliquer, vous-même vous allez comprendre le conseil. Je ne reviens pas parce qu'il faut composer d'abord le plantain au feu. Mm-hmm. Ça dure bien. Mm-hmm. Parce qu'il y a d'autres gens qui préparent le congrès. Ils se disent que comme le plantain se cuit vite, ils vont poser avec la viande basta quand ça se cuit et déposent au sol. Non. Quand je fais mon congé, je prépare bien le plantain jusqu'à ça rougit. Je baisse maintenant la viande. Je prépare encore ensemble avec ça et les condiments aussi. Quand la viande se cuit, je porte maintenant du feu que j'ai d'abord préparé bien le plantain. La famille, vous avez compris le secret, non? Quand ça cuit là très bien jusqu'à ce que vous voyez comment les condiments, l'huile a transpercé le doigt de plantain. Voilà. Ah, ça a un goût que non. En tout cas, restez scotché pour ne rien manquer, ok? Là, on va continuer toujours et je crois que je peux laisser. En fait, on pose quand même au feu et j'irai faire le reste avec vous. Hello la famille, vous l'aviez longtemps réclamé. Nous avions décidé de le rendre disponible pour vous. Ce produit révolutionnaire appelé Megamars Hair, c'est un mélange extrait de la nature très efficace pour résoudre définitivement vos problèmes d'alopécie androgénétique, plus connu sous le nom de calvétie. Megamars Hair favorise et accélère la pousse de vos cheveux, les chutes, les favoris, votre barbe et toute autre partie de votre corps où vous souhaitez avoir les poils. Les premiers résultats sont visible à partir de la deuxième semaine d'utilisation. J'ai pris 4 années de ma vie pour expérimenter ce produit. Je peux vous rassurer que je suis un exemple vivant. C'est pour cette raison que je vous donne une garantie 100% ou remboursée. Nous expédions nos produits partout dans le monde. Nous sommes en partenariat avec les agences comme UPS, DHL, FedEx, EMS et La Poste. Pour tous ceux qui sont intéressés par nos produits, nos numéros de téléphone sont écrits juste en bas de cet écran. Je recommande toujours à tous ceux, à tous les potentiels clients qui aimeraient acheter nos produits, d'insister toujours de m'avoir au téléphone, de se rassurer effectivement que c'est avec Christian qu'ils sont en train de causer afin d'effectuer n'importe quelle transaction. Parce qu'ils sont plusieurs sur les réseaux sociaux qui vont se faire passer pour moi, Christian, pour chercher à vous faire arnaquer. En fait, on ne lave pas le plantain quand on prépare, même la banane on ne lave pas. Vous savez que la sève que ça contient, c'est aussi très riche pour la santé. Il y a certaines maladies qu'on recueille la sève que vous voyez au sol là. La sève si pour soigner, par exemple ceux qui peuvent avoir les blessures inguérissables et tout, la sève si est très bonne. Elle est très bien pour beaucoup d'autres choses même également. Donc ce qui fait que quand on lave déjà la sève, et en plus le plantain ne doit pas bien attraper les condiments. Raison pour laquelle quand on conserve avec ainsi, sans laver, ça sera beaucoup plus délicieux. Vous pouvez voir certaines personnes malades sur la banane, après ça glisse, ça ne prend pas bien les condiments. C'est la raison pour laquelle maman, quand elle fait, n'aime pas que les enfants se rapprochent parce qu'elle voudrait que ça reste propre. Venez voir ça dans la mamie, comment c'est tout propre. Je ne couvre pas encore parce que maman, quand elle va finir, quand on va lui finir le reste ici, on va lancer au-dessus avant de couvrir. Le temps qu'on travaille sur les condiments aussi, on rajoute, on laisse maintenant ça cuire très bien avec les condiments, assaisonnement, tout. Ensuite, on ajoute la viande à la fin avec une partie des condiments. Mais pas comme je le dis aussi simplement, hein. Il faut que vous voyez toutes les étapes pour ne manquer aucun des secrets qui se partagent au fur et à mesure.
Mais je dis bien totalement cuit, le moment est venu. Et pour ce qui est de la viande, laissez-moi vous expliquer un peu. Quand j'ai écrasé les épices, j'ai d'abord assaisonné la viande avec les épices. J'ai mis un peu de sel de cuisine, j'ai laissé ça reposer comme ça, déjà assaisonné. Donc maintenant, mets alors. Ok, bon. Vos yeux vont s'habituer à la... Et en tout cas, j'ai mis également du sel de cuisine. Je crois que je vous ai filmé quand je mettais du sel de cuisine sur le plantain. Donc là, maintenant, on met juste les condiments. Voilà. On rajoute de l'eau. Parce qu'en fait, en tout cas, vous allez voir. Je n'ai pas besoin de trop balader. On fait maintenant. Pendant que la viande cuit, les condiments auront déjà cuit également et ça serait déjà prêt. En tout cas, vous savez, généralement, quand on met comme ça, on ne peut pas imaginer ce que ça va donner quand ça sera totalement cuit. Je préfère juste me taire, ok? On revient dans 20-30 minutes au maximum et que vous voyez le rendu. La famille est venue. Les amis, sortez du feu, sortez de la cuisine. Sortez de la cuisine. S'il te plaît, tu sais que tu es mon bébé, non? Tu vas tomber. Je sais pas bien torturer. Accouche. J'ai posé un au feu. Ça va bientôt cuire. Le temps que ça cuit, tu peux quand même bien me faire savoir de quoi il est question. Non, tu vas te mettre dans ton dimanche. Tu t'habilles belle parce que la souffrance, il faut que tu sois belle. Je m'habille maintenant. Oui. Va t'habiller maintenant. Je t'habille maintenant, je t'offre ta surprise. La dernière fois que tu m'avais demandé de m'habiller belle comme ça, je me suis retrouvée au fond de la piscine. Non, habille-toi maintenant. Je vais pousser comme ça. Fais-le, je t'attends. La famille. Après, tu me dis. Ok, je m'en vais m'habiller. Je vais m'habiller comment? Faut que je m'habille comment? Une tenue comment? Mets-toi dans ton dimanche. Dimanche, ça veut dire quoi, la gars? Moi, je commence pas bien. En tout cas, je vais pas juste me changer, me débadiller. On va essayer de voir. Hein? Ah, chérie! Mais de quoi il s'agit donc finalement? Yo la team Suzanne, yo la team Christian, vous constatez même qu'il pleut sur moi, il y a des gouttes de pluie qui sont en train de tomber, mais ça ne doit pas empêcher qu'on remette la surprise de Suzanne. Voilà déjà, qu'est-ce que je vais faire, j'ai décidé de le faire, quand Suzanne va sortir, parce qu'elle est en train de s'habiller, j'ai demandé qu'elle se mette sur son dimanche, elle doit qu'elle me mette une belle tenue, parce que la surprise en vaut le coup. Là maintenant, dès qu'elle va finir de s'habiller, elle va sortir. Je vais d'abord l'offrir cette fleur. Elle va croire que ça serait sa cadeau. Je vais d'abord l'offrir cette fleur. Elle va croire que ça serait son cadeau surprise. Quand elle va insister, elle va dire qu'il n'y a pas de problème. Allons-y, te remets. Là, il va attacher ses yeux. Je vais contourner le truc de la maison avec elle. Après, je vais lui porter dans mes bras et je vais aller lui donner son cadeau surprise. Restez connectés pour la suite. Oh, tu vois, c'est que je dis, moi je sais pas. Ce que je déteste le plus
est en train de m'arriver le truc depuis le matin. Et là où je suis maintenant, oh Seigneur, je vais donner d'abord le bout de chou à maman. Chérie, on pourra partir avec le bout de chou dans la surprise là. Bon, ça commence à c'est qui me fait encore un peu de bizarre parce que il y a maman aussi qui est confuse. Ça me fait bizarre dans la tête. Est-ce que tu sais qui qu'elle m'a flatté? Maman, tu l'as dit. Non, ouais, c'est ça. Maman, elle est non. Voilà. J'ai tout fait, j'ai même supplié maman. Ok. Comment tu peux m'en aller? Peut-être. Ça me la supplie, ça nous semble aussi ton avis. Regardez comment elle est mignonne, les gars. Vous me laissez. Princesse, fais-moi un peu ta mignonne. Chérie, arrête de me demander de faire ma mignonne. Je bon, suis. Bon, tu es prête pour savoir ton cadeau surprise? Oui. Tu es prête? Ah. Je m'habille, on va aller quelque part, n'est-ce pas? Tu es prête déjà? Mais je te demande si tu es prête. Oui, je suis prête. Est-ce que tu es prête, chérie? Je suis prête. La team Suzanne, la team Christian, est-ce que Suzanne est prête à recevoir son cadeau surprise? Tu crois que c'est quoi? Que c'est une demande en mariage? Je sais pas trop. D'accord. Mais tu l'as déjà okay. Fait. Tourne-toi alors. Tourne-toi. Je me suis dit comment. Ferme les yeux. Ferme les yeux alors. Tu peux faire là, mais c'est pas quelque chose. Suzanne, ferme tes yeux. Ouvre tes yeux alors. Ouvre tes yeux, non, chérie. Écoute au moins ce que j'ai à te dire. Tu m'as dit que j'ai ouvert. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Oui, ma princesse. Tu m'as embêté. Tu sais à quel point tu comptes pour moi. Je sais. Tu sais ce que tu as fait dans ma vie. Tu sais quand est-ce que tu m'as rencontré? Je sais. Tu sais là où tu m'as amené? Je sais. Je ne suis pas sûr que tu es conscient. Ah bon? Quand tu m'as rencontré, le Dieu que je sers s'était arrangé que je ne sois rien. Tu as dit, Christian, ne pleure plus. Après 6 ans de vie commune, on n'arrive pas à avoir d'enfant. C'est toi qui me remontes. Au lieu que c'est toi qui sois triste, tu as dit, mon bébé, ne sois pas triste, ne sois pas fâché, relaxe, parce que je vais t'offrir ces enfants-là. Est-ce que tu sais que tu m'as offert 3 merveilleux petits garçons? J'ai envie de te renouveler mon amour en ce jour. Je te dis que tu es la chose la plus spéciale dans ma vie. Merci mon bébé. J'ai envie de te dire que tu as augmenté le nombre de mes jours sur terre. Tu vas me faire pleurer mon bébé. Est-ce que tu sais, Suzanne, est-ce que tu sais, quand un homme rencontre une femme qui est entreprenante, si tu devais vivre 20 ans sur la terre, tu vas encore augmenter, tu vas encore vivre plutôt 30 ans de vie sur la terre. Quand tu as rencontré une maman, une femme qui est mère au foyer, qui s'occupe de vos enfants, qui sacrifie son ventre. Tu n'as pas besoin de pleurer. Hein? C'est ta surprise qui me fait que continuer ma puce. C'est très que quand tu es mère au foyer, tu as dit, Christian, je te donnais ces enfants. Tu m'as donné 3 merveilleux garçons. Ils sont mignons, adorables. Tu prends soin de nous, tu nous offres tout ce qu'il faut. Hein? Tu ne vois pas ce que tu fais, chérie. Sans toi, nos vies seront quoi, Suzanne? Cette fleur n'est que symbolique pour la surprise que tu voulais te dire. J'avais envie de te dire. Ces choses-là. Bon, c'était pas ça la surprise. Mmh. Je crois que c'était ça la surprise. Mais c'est tout la surprise, non, chérie. J'avais envie de te dire, de te renouveler mon amour, pour te dire à quel point tu es spécial dans ma vie. Pour te dire à quel point ce que tu as fait dans ma vie, Suzanne. Grâce à toi, ma vie n'a plus été jamais la même. C'était la surprise qu'il voulait t'offrir. Pourquoi tu es fâchée? C'est comment les voies de Dieu sont insondables. Je vois les circonstances dans lesquelles on s'est rencontrés. Je vois les challenges par lesquels on est passé, les difficultés qu'on a pu surmonter. Je rends seulement grâce à Dieu. Je crois que deux fois dans la vie, on a juste besoin de ces paroles-là. Tu sais, juste le fait de nous dire, de nous rappeler ces paroles-là, ça touche énormément. Ça touche énormément le fait d'entendre ces paroles venant de toi, mon chéri. Je ne peux pas imaginer comment ce que ça fait dans mon cœur. Merci, mon chéri. Tu es satisfaite maintenant de ta surprise? Je suis, pourquoi pas? Ah bon, tu n'aimerais plus que je t'offre une autre surprise?
Mais s'il y a une autre surprise, ça sera le bienvenu. Non, c'est lui, c'est sa terrasse. Oui, tu ne sais pas comment c'est important ces paroles-là. C'est de me regarder dans les yeux, de me donner ces paroles sincères qui... Je ne sais pas, ça fait de moi... Je me sens comme une reine, en fait, quand ces paroles viennent de toi. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je veux aussi vous dire, la famille, Suzanne a été vraie envers moi. Elle m'a manifesté que je peux lui faire confiance. Mon épouse peut dormir sur le même lit que mon ami, mon meilleur ami. Elle peut dormir avec n'importe qui sur le lit. Je suis convaincu d'une chose, que rien ne se passera. Parce qu'elle a dévoué sa vie entièrement à moi. C'est moi, par exemple, qui... J'ai souvent peur qu'un jour, je pourrais la trahir. Mais je prie tous les jours que le Seigneur me donne cette force de pouvoir challenger d'avant pour montrer que je suis à la hauteur de l'amour qu'elle a su donner pour moi. Je continue avec ta surprise. On va aller maintenant, je vais te donner ta surprise. Ah bon? Ferme les yeux. Oh non, je suis gâtée, bébé. Oh merde. Je dois me rassurer que tu ne vois rien. Oui. C'est mieux d'attacher les yeux comme ça. Si je pleure, personne ne voit. Voilà. Mais j'espère. Voilà. Voilà. Attends, c'est mieux que j'enlève les talons pour marcher. Non. Pourquoi on part quelque part? J'ai pas besoin de trop serrer. Je ne vois rien du tout. Pas besoin de trop serrer. Voilà. Ok. Voilà. Et pour ma princesse, je vais marcher comment avec les talons? Non, je porte mes chaussures. On va quelque part. Et le sac à main? Non, tu vas avec ton sac, bien sûr. Pourquoi ne pas me laisser d'avoir emprunté la voiture avant que... Non, viens, chérie, suis-moi. Je sais qu'il ne faut pas que j'enlève les chaussures. Non, pas du tout. Je pourrais me faire mal. Non, je suis là. Tu ne me fais pas confiance. Les talons ne sont pas bien. Suis-moi, chérie, suis-moi, viens. Je suis là, viens. Tu ne me fais pas confiance. Les talons ne sont pas bien. Oui, viens. Ouais, dépose du saumon. Quand on ne voit pas. Soulève, hop. C'est bon. Voilà. Voilà, suis-moi ma princesse. Ah ouais. Suis-moi, on y va. Ah ouais. Attends, gauche, droite. Quel sens? Suis-moi. S'il te plaît, permets-moi d'enlever les talons. Non, tu n'as pas besoin d'enlever. Ce n'est pas trop important. Non, c'est important. Même les talons sont importants. Je pourrais me laisser. Je suis là pour toi. Bien sûr. Chérie, tu m'embrouilles. Tu me fais confiance ou tu ne me fais pas confiance? Oui, je te fais confiance. Bien sûr. Mais en tout cas, je suis perdue. Non, tu ne vas pas être perdue. Laisse-moi enlever mes talons. Non. Suis-moi. S'il te plaît. Quand tu vas recevoir ta surprise, tu vas comprendre, ça valait le coup. Laisse-moi enlever mon talons. Non, pas du tout. Tes talons sont importants. Je vais mettre les ballerines. Non, c'est pas important. Ah, j'ai même peur de marcher. Voilà. Soulève le pied. Vas-y. Voilà, doucement, voilà, viens. Voilà. Oh, on va quelque part. Pourquoi tu me laisses pas enlever les talons? Non, c'est pas important. Les talons ont un rôle très prépondérant dans ce cadeau. Prépondérant, j'ai encore dit que... Bon, j'ai changé le mot. Vous savez que le français est très compliqué. Les talons sont capitales pour cette surprise. Attends, tu es prête? C'est déjà... Non, vas-y. Tu es déjà prête? Tu es prête à recevoir ta surprise? Oui. Suis-moi. Oh, je croyais que c'était déjà là la surprise, mais je pose la question. Oh mon Dieu, mon cœur est serré. Mon cœur est serré. Tu t'apprêtes à recevoir un cadeau spécial. Tu dis que ton cœur, c'est ton cœur, ne doit pas être serré. Non, c'est juste que la surprise que tu me prends mal avec depuis le matin là. Oui, bien, alors, bien. Ok. J'aurais dû prendre la voiture, mais comme la voiture ne pouvait pas passer sur ce chemin. C'est quel chemin? Sur le chemin de ton cadeau. On part pour la surprise. La surprise de ma princesse, viens. Viens. C'est moi. Ok, reste, tu ne bouges pas. Ok?
c'est bien. Non, c'est pas important, viens. Viens, attends. Voilà, viens. Monte, s'il te plaît. Non, je t'en prie. Chérie, vas-y, viens. Je te supplie. Wow, viens. Non, tu n'enlèves pas. Soulève ton pied. Ça voilà, dépose. Là. Dépose, viens. Voilà. C'est bien que tu ne sais pas là où on se trouve. Voilà, place-toi. Le moment t'as attendu est arrivé. Non, attends, s'il te plaît. Non, tu n'enlèves pas. J'ai mal au pied. Oui, j'espère que tu ne marches plus. Tu ne marches plus. Oh, Suzanne. Suzanne, fais-moi confiance, non? Je te fais confiance. C'est pour nous. Tu me fais peur. Non, je te fais pas peur. Je suis tranquille, ok? Tu me la prends, tu m'as fait ça. Non, je te fais pas. C'est que je sens un peu la peur, tu vois. Non, tu n'as pas de peur, ma puce. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Chérie, tu ne fais pas confiance. Aïe. Tu me fais pas confiance. Tu es prête? Non, Suzanne! Suzanne, qu'est-ce que tu me fais? S'il te plaît, laisse-moi enlever la chaussure. Ok, enlève les chaussures. Ok, j'ai permis l'autre là. Merci. Voilà. Merci, chou. Voilà, elle a décidé d'enlever sa chaussure. Je crois que je te donne ton cadeau. Tu es prête? Non, attends, attends un peu. Ok, dis-moi. Chérie, tu me fais ça, attends un peu. Tu es prête? Attends, je veux toucher un peu le sol. Pourquoi toucher le sol, ma chérie? Tu veux pas avoir ta surprise? Non, c'est juste que j'imagine. Non, viens, alors, c'est moi, arrête mon cou. Suzanne. Il m'a bébé. 15 années depuis quand même. Tu as l'air douté de moi? Non. Pourquoi aujourd'hui tu veux douter de moi? C'est juste que c'est-à-dire, j'avais un peu imaginé ma surprise. Maintenant, je n'arrive plus à imaginer et à cerner ce qui se passe. Fais-moi confiance, fais comme bébé Pascal. Quand tu portes bébé Pascal, tu l'amènes n'importe où. Il sait que sa maman ne peut pas lui faire du mal. Ok. Reste dans cette logique. D'accord. Voilà. Mais tu es prête? Tu es prête? Oui. Tu veux pas la soirée, c'est à court. 3, 2, 1. Ensemble, trouver ça. Là, tu vas profiter de ma chérie. Je te mérite.
tu le mérites. C'est comme si ça menace la peau, c'est comme si j'ai mis un peu. Oui, j'ai mis le vinaigre traditionnel. J'ai mis le vinaigre traditionnel. Oui, c'est le diamant quand même. Chez nous, jamais en Afrique, les gars, quand on veut offrir quelque chose de spécial, on sent jamais mettre le vinaigre traditionnel. Souvent, j'ai mis ça avec le. J'aime le vinaigre traditionnel avec le vin blanc. Parce que nous, c'est un signe de paix, de tradition. Qui est capté. C'est pour ça que vous voyez l'eau à cette couleur là. Oui, et en plus, c'est très bon aussi pour la peau. Ça a beaucoup de vertu. La princesse, profite de ton jour. Ton ami, je vais donner son pressing. Tu n'as pas besoin de déjeuner. Non, ça c'est ton jour spécialement. Ce n'est pas le tout ensemble. Oh là 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 là. Ça me casse tellement. Ah mon Dieu, c'est magnifique, merci chérie. Mais comment tu as fait pour l'avoir? Attends, chérie. On sera dans notre vie ensemble, deux fois, je vais t'expliquer comment j'ai fait. Tu sais que je suis quelqu'un qui a toujours des petits articles d'investissement. Hormis de notre réserve, généralement, je vous le dis, les gars, c'est important. Vous allez venir me dire que oh, tu es malade, tu es fou, j'ai fait compte commun avec mon époux. Tous les biens que je fais avec mon époux. Tous les biens que j'ai fait jusqu'au bout, c'est sous mon nom et sous le nom de mon époux. Parce que c'est avec elle que je souffre chaque jour dans mon vie. Même s'il arrive de quoi qu'il arrive demain, je sais qu'elle va se battre pour s'occuper de nos enfants. Il ne faudra pas qu'un individu sorte quelque part, que ce soit mon grand frère, que ce soit mon petit frère. Peut-être quand je sois là, ce n'est pas le souhait, mais ça arrive évidemment, et ça va toujours arriver. Que quelqu'un vienne dire à mon épouse, tu fais quoi dans les choses de mon frère, c'est sérieusement. Si je tombe maintenant, c'est elle. Tous les deux qu'on a eu à faire, on se bat ensemble. Ça vit, elle a ce droit, que ça soit sur son nom. Je ne pourrais jamais supporter le vivre sans toi. Mais tu fais ça, tu fais. Tu fais bien. Hein? Tu vois que c'est toi qui donnes sens à ma vie. Bien sûr, ça doit ma vie d'application. Profite de ton jour. Profite au maximum, ma princesse. Tu as envie de te verser de l'eau en même temps. Non. Mmh. Et quand j'étais en train de baisser cette baignoire, tu sais ce qui s'est passé. J'ai dû jouer un jeu avec maman. Tu t'es pas posé la question que maman t'a demandé de vous partir. Oui, nous sommes allés passer la journée chez nous. Attends, en fait, tu as vlogué sur le combien comprendre. Maman était ma complice, j'ai vlogué quand j'ai fait cette baignoire, j'ai vlogué, il y a des vidéos. Et si tu n'as pas encore vu cette vidéo, tu vois quand tu vas voir cette vidéo, tu vas savoir que tout était planifié depuis l'avance. J'adore ce nom. Je le mérite. Je veux prendre mes dispositions pour qu'il y ait tout ce qu'il faut comme ingrédient pour que tu puisses savourer chaque soir. Ah, ouais. Même si, pourquoi pas avoir goûté le champagne même. Parce que tu le mérites, ma princesse. Là, regarde-moi, on peut augmenter l'intensité. Oui. Ça m'a fait le bas du pied. Bien, on va bien allumer les lumières. Oui. Allez, vivre. Là-bas. Tu te rappelles que tu avais vu ces deux gens et t'envoient. Et tu avais fait la promesse que chérie, je te ferais ça. Dieu a fait grâce. Et nous sommes à la réalité. Et aussi, on devait avoir trop de tracasserie. Si on achetait pour amener au Cameroun, on vous avait arrivé et quand on était blessé. Et déjà, pour ne pas beaucoup de choses. Si on devait payer aussi encore beaucoup de choses, c'était seulement une baignoire. Il fallait seulement payer ça sur place au Cameroun. Donc je suis ravi les gars, vous qui avez aimé cette vidéo, si vous avez encore d'autres vidéos surprises que vous aimeriez que je fasse à ma princesse Suzanne, pour lui faire plaisir, pour faire des surprises, allez en bas des commentaires pour me donner ça. Je vais aussi vous laisser notre TikTok Suzanne et Christian. Christian avec deux N à la fin. Laquelle nous sommes aussi beaucoup constants, on fait beaucoup de choses. Allez aussi là-bas, vous allez voir beaucoup de choses que nous faisons les gars. C'est important les gars, faites au moins une fois par an, au moins une fois par mois, pour ceux qui peuvent au moins une fois après chaque trois mois, faites des petites comme ça à vos épouses pour les dire parce que les femmes sont nos mamans, elles sont nos complices, elles sont les mamans de l'humanité. Ça les fait plaisir quand la femme est en joie, quand la femme est contente, tout ce que nous faisons dans la vie ça prospère également. Mais quand elle est triste, même dans nos activités, ça c'est triste les gars. Donc ma princesse Suzanne, profite de ton jour et tu as quelque chose à dire en plus dans la caméra. Ah non, tu fais au feu, tu vas aller regarder. Voilà, et oui, et en même temps Suzanne est en train de préparer une recette très très spéciale. Donc après, elle va prendre sa douche. Elle va changer sa vestiment, elle va changer son habit et on va se retrouver à la table, on va manger. Ma princesse, tu as quelque chose à dire? La famille, on se retrouve derrière la caméra. Peut-être vous verrez la suite dans une prochaine vidéo, on ne sait jamais. Parce que là, j'ai vraiment envie de prendre mon temps. Mon mari est allé m'amener mes accessoires pour la douche. Je vais vraiment manger le corps, je vais me donner, je vais me faire beaucoup de belles choses. Il va risquer de me rejoindre sous la douche. Voilà. Ensuite, on verra pour la nourriture.
plus fort qui était au feu. Peut-être dans la prochaine vidéo, en fait, vous pourriez en savoir davantage si on continue à mettre ça dans un vlog, dans la continuité du vlog. Ok, la famille, prenez soin de vous, likez, commentez, partagez. Et à très bientôt. Oh là là. À très bientôt, les gars, pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Walking down the road again, the sun is really shining down on me. I seen her walking on the other side. God damn, oh baby, you look so damn fine. I'm waiting, standing, trying to cross the road, but it has been a really busy time.